Hey, c'est Gep, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, et oui encore. Il s'agit cette fois-ci de la saison 3 de Death Note UHC, un mode de jeu stratégique se jouant par équipe. J'avais déjà fait la saison 2, qui s'était plutôt bien passée, mais cette saison apporte son lot de nouveautés. Bon, vu que j'ai pas envie de faire une intro trop longue, eh bien je vais vous renvoyer vers la dernière vidéo Death Note que j'ai faite. Vous avez ici les nouvelles règles d'expliquer avec les nouveaux rôles, et dans tous les cas, vous avez un document dans la description qui regroupe tout. Pour cette saison 3, nous étions 4 équipes de 7, la mienne composée d'Astro, Daiko, Fukano, Fatou, Jimmy Boy, ainsi que Toz. Allez, c'est parti. Mais du coup, salut, on a même pas fait d'intro, lol. Du coup, bienvenue dans Death Note UHC saison 3. On se retrouve pour une nouvelle saison. Je suis pas chaud du tout pour jouer à Minecraft, mais c'est pas grave. La dernière saison c'était bien passé, enfin on avait rien fait notre game à part 9 kills, donc c'était pas énorme. Vu qu'on était resté en dehors de notre team, vu qu'on n'a pas pu les retrouver malheureusement. Et donc après quand on les a retrouvés c'était déjà fini, et on a juste tué les autres joueurs, mais ça restait marrant. Sauf qu'entre temps j'ai joué 7 games de Death Note, et je commence à savoir un peu ce qu'il faut faire pour gagner en tant que stratège. Et par conséquent, je suis prêt à faire une bonne saison. Voilà voilà. Quelle intro magnifique, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like pour ça. Donc je vous dis un peu la strat que je vais faire dans ce début de game avant l'annonce des rôles. À l'annonce des rôles, le chat sera désactivé, donc on ne verra plus... Enfin, ça sera très compliqué de se retrouver par équipe. Le problème, c'est que si on mine par équipe, on n'aura pas beaucoup de diams, vu que c'est comme ça. Donc ma stratégie, c'est de miner diams maintenant, puis après retrouver mon équipe juste avant l'annonce des rôles, et après passer la game avec eux. Donc comme ça, j'aurai à la fois le diams et la game par équipe, et donc tout est bénef. Voilà, voilà. Formons donc le pomme ici, puis on va sortir dans la grotte. Normalement, on est à 4, même pas 4 minutes de jeu, on a été assez rapide. Donc d'ici 2-3 minutes supplémentaires, on pourra s'enterrer. Bon, bref, je vais vous dire, j'ai une strat de folie en tant que Kira ou Shinigami. Ça marche en tant que les deux. Après, ça va pas être la même chose si je suis l'un ou l'autre. Et ça sera plus compliqué si je suis Shinigami. Ça sera plus facile si je suis Shinigami que si je suis Kira. Mais ça sera... En fait, si je suis Kira et que j'arrive à la faire, ça c'est insane. Et si je suis Shinigami et que j'arrive à la faire... C'est insane aussi, mais pas pour la même raison, et c'est insane pour une autre personne aussi. Disons que c'est une strat à deux. Enterrons-nous. Bon, du type en soi, il y a moyen que je les fasse, hein, vu que... Après tout, je mine tout le temps 50 milliards de choses. Alors, honnêtement... Enfin, pour moi, le scénario le plus... What? Ah, salut Fatou. Fatou, t'es là? Ah, yo. Je t'ai entendu écrire... J'ai entendu un clavier, puis après j'ai vu ton message, du coup je me suis dit ah t'es pas loin. Nice. Ok, c'est bon. Ah, du coup tu seras pas trop discret en clave toi. Ouais, non, ça va être compliqué pour les claims et tous les bails comme ça. Ça va être un peu compliqué, ouais. Ouais. Bon, moi je vais miner vers là, donc après je vais bouger de toute façon pour rejoindre les autres. C'est seulement histoire d'avoir 2-3 ressources en début de game. Ouais, t'as un mass mob. Oh mon dieu, le nombre de zombies. J'ai failli mourir. Il y a un creeper qui a failli m'exploser. Oh salut Astro et Fukano. Ah bah yo. Ça va? J'ai Kirkan. Bah nous aussi du coup, on a trouvé des vaches avec du mal. Mais on a trouvé des... mais en fait ce qui va manquer c'est de la bouffe. Gep, j'étais mute quand je te parlais tout à l'heure. Ah bon? Et tu m'as dit quoi? J'ai fait Gep, je voulais stratégique aujourd'hui, je vais te suivre toute la game. Ok, et c'est ça la stratégie, je me suis toute la game? Oui. Bah je vais tuer. Non parce que c'est le délire comme quoi, genre vu que toi t'es trop fort en stratégie du coup... Moi je me sens très nul, tu vois. Mais en vrai ça va aller, je vais essayer de... C'est que j'ai une strat de fou si je suis deux rôles en particulier. Ah mais c'est vrai que c'est 65, ça doit être méga bas, mais on le voit quand même pas. Ouais, non, je suis à la couche 40, 45. Ouais, je vois même pas ton pseudo, fait. Ouais, je vois pas le vote. Sneak. Tu imagines, tu vois pas les pseudos des joueurs parce qu'ils sont en dessous. Ah c'est bon, je vois votre pseudo. Enfin non, je vois Fatboy. What? Mais où? Il est pas très loin. Est-ce que Fatou il s'est déjà unmute? Ah oui, bah tu sais comment je l'ai retrouvé parce que j'ai entendu un clavier. Et après j'ai vu qu'il a mis un message dans le chat. Et du coup je savais qu'il était à côté. Oh bah... À gauche j'imagine. C'est bois, ouais. C'est vraiment la boue, ça va être chiant par contre. Ouais. Bon. Tu me fais peur. J'ai miné un bloc. Et t'es tombé sous tes pieds. Avait de l'eau. Ouais, j'arrive. T'es à côté de ça en plus. T'avais le bloc en bois. J'ai miné un bloc de cobble. Ah c'est trop. Ah, y'a des loups encore. J'ai vraiment cru que t'allais mourir. Moi aussi. Salut, bah, j'ai quand même réussi à oh, Fatou, t'es où? N'hésite pas, hein. Il est où? Il fait quoi? Je suis en haut. Putain, faut pas que j'enlève l'eau. Ah, mais t'es relou, mec, pourquoi t'es en haut? Non, enlève pas l'eau. Enlève pas l'eau. Attends, je vais casser le bloc parce que j'ai peur. Mais non, je stratégie, on enlève l'eau. Il meurt. Non, je stratégie, on enlève l'eau comme ça, les gens, tout le monde meurt. En vrai, je suis mort, je pense. Et on sera tous enquêteurs et elle. Tous enquêteurs et elle? Ouais, genre tous les autres ils vont arriver, ils vont mourir et nous on sera tous enquêteurs réels, on va gagner du coup. Allez. Non, bonne strat. Je serai Kira, fais gaffe.
En vrai, j'ai pas d'être Shinigami. Fuka, pourquoi t'as pas envie d'être Kira? Parce que c'est nul. Mais dans ce mode de jeu, c'est ultra intéressant d'être méchant vu que c'est très compliqué. C'est comme être taupe, c'est de la merde. Non, mais là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est intéressant que le film. Alors, c'est intéressant quand tu t'appelles Gap et que t'es fort en PVP. Mais même pas besoin d'être fort en PVP, en brain. Non, mais c'est bien cool de brain les gens, mais je pourrais les brain autant de temps que je veux, je pourrais jamais tuer quelqu'un. Bah, la dernière fois, j'ai fait tuer les autres par moi en étant Kira. J'ai fait tuer les autres. Sans mouiller mes mains. Ah ouais. Sans mouiller mes mains. Mais à la fin, je suis quand même mort, mais c'était marrant. Mais en vrai, je sais pas, le Shinigami, je me suis dit c'est chiant, mais en fait, finalement, vu que je savais qu'il était immunisé contre le Deathstroke, finalement, je me dis bon. C'est... Non, Shinigami, il y a moins de strats, mais t'es plus OP entre guillemets. Mais attends, mais s'il est immunisé contre le Deathstroke, genre si quelqu'un utilise le Deathstroke sur le Shinigami, ça va faire quoi? Genre ça va, rien, ça, mais ça, le, ça, le Kira, ça lui dira quand même que ça a été utilisé, donc il saura pas, tu vois. Nice. Ah, et par contre, le Shinigami, il saura qu'il s'est fait. Pour voir les cœurs, ouais. Et qui se rend compte que ça a pas marché, il va faire. Bah, ça peut être une bonne strat pour le trouver en vrai. Ah voilà le mineshaft. Yes. Bon alors on va voler tous les coffres avant qu'il ne les trouve. Baisse vacances du monde quoi. Et salut. Salut Gap. Salut Gap MC. Je te fais pas confiance. Bah je viens seulement voler votre cave donc ça va. Bah ouais bah non, du coup là. Clairement ça va pas le faire. Désolé. Clairement je vais te soulever à l'Alsacienne mec, tu vas rien comprendre. Yes. Pourquoi tu fais okay, ça Gap? Déjà j'arrive, je vois de l'or partout, je reviens, y'a plus d'or. Donc clairement qui c'est qui a pris l'or? Ouais, c'est pas moi. Est-ce que t'aimes les lentilles? Les lentilles. Et je vais vous avouer quelque chose, il y avait un filon de diamant. Il y a plus de filon de diamant. Bah en même temps on est avec Gap hein, finalement, donc y a toujours des filons de diamant. Ouais mais c'était pas ma grotte au départ, c'est pour ça que je dis ça. T'es un petit salopard finalement, ça qu'on est en train de dire. Oh bah oui. Gap et moi dans la même cave, y'avait moi, y'avait Gap. Y'avait plus moi, y'avait toujours Gap. C'est vrai que tu meurs souvent par moi dans les games, non? Non, je rigole en vrai. Moi j'aimerais trop être genre. Et j'aimerais trop que Gap il soit elle et moi Watery, genre. Oh là là, oh là là. Le rêve. Oh là là, je serais gentil avec Gap. Ce PC contient une RTX, il est vraiment très récent. J'ai vraiment de la chance. Ouf, fais gaffe, Jimmy Boy, y'a des monstres. Ouais, j'ai vu. Don't die to the monsters. Yeah, I try, but... Well, I'm gonna explore the mineshaft now. Okay, man. In order to find enchanted books, you know? Oh, wow. If you get it, I'm gonna be so mad. Well, don't be mad. It's just the game. Oh. Yeah. Okay. I really hope you're gonna be like Kira and I can be Shinigami so we can team up together. Yes. Oh, yes. I mean, kind of team up because we're not allowed to team, but like at the beginning of a game, you know? In order to betray our teammates. Beginning, but yeah. After, you're gonna kill me and just run away. You shouldn't kill me because you will lose your resistance if you do so, but well. Yeah, I know. At some point you might have to kill me. But unless I kill you first. I'm a noob. Well, you have resistance and everything can happen, it's like football. Yeah. You're right. Wow. Allo? Oh, t'osais faire? Ça c'est t'osais faire quoi. C'était le jour manquant à notre arsenal. Oh salut épisode 2. Oh l'épisode 2, bonjour à tous. Fais gaffe. Ah là là, un épisode qui dure plus que 3 minutes, yes. C'est donc la fin de l'épisode 1, j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve dans 2 jours pour l'épisode 2 qui contiendra évidemment l'annonce des rôles. Allez, à plus tout le monde.